Le multilinguisme est un élément clé du fonctionnement de la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, la possibilité d'introduire un recours et de lire des décisions de justice dans une langue que l'on comprend est une composante essentielle de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi la Cour peut être saisie dans n'importe laquelle des 24 langues officielles de l'Union européenne. Les affaires déférées par les juridictions nationales sont traitées, quant à elles, dans la langue du juge national. La personne qui a introduit un recours directement devant la Cour choisit la langue officielle de l'Union qu'elle souhaite utiliser. Toute la procédure se déroule ensuite dans cette langue. La Cour fournissant, le cas échéant, l'interprétation et la traduction. Les arrêts publiés par la Cour sont ensuite disponibles dans toutes les langues le jour même de leur prononcé. Cet engagement d'assurer le multilinguisme, une valeur fondamentale de la Cour, implique la nécessité d'avoir un service de traduction efficace, dont les juristes linguistes traduisent chaque année plus d'un million de pages de documents. Alors qu'une autre partie du personnel, constituée d'interprètes, fournit une interprétation simultanée lors des nombreuses audiences, qui ont lieu toutes les semaines à la Cour. Le travail de ces personnes garantit que les décisions de la Cour sont lues et comprises par les citoyens, les avocats et les juges nationaux dans leur propre langue, partout dans l'Union européenne, et assure ainsi l'égalité d'accès à la Cour pour chacun des citoyens.